depuis le décès de son épouse dans la capitale française. Jacqueline Micolo a retrouvé ses lettres de noblesse dans le lit de Jean-Jacques Bouillat. Elle s'est donné une mission, celle de reconquérir la première place dans le cœur de son mari épleuré. La relation intime entre les deux n'est un secret pour personne. D'ailleurs, elle doit son fauteuil ministériel grâce à la faveur du neveu du dictateur Denis Sassou Nguesso. Maintenant que Jean-Jacques Bouillat sort peu à peu de son deuil, Jacqueline Micolo prend ses habitudes en passant presque toutes les nuits dans la luxueuse villa d'Nkombo du ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire et des Grands Travaux. Rappelons que Jean-Jacques Bouillat avait été accusé par sa belle-famille d'être responsable de la mort prématurée de leur fille. Il s'était même opposé à ce que le cadavre de son épouse soit enterré dans son village natal, car il craignait en effet d'être atteint par des pratiques mystiques. Jean-Jacques Bouillat et Jacqueline Micolo, l'amour fou.